Captain Fantastic est un film de Matt Ross avec Viggo Mortensen, sorti en 2016. Mêlant humour et tendresse, ce film raconte la vie d'une famille cherchant à concrétiser une utopie pour leurs enfants en dehors de la société. En questionnant le rapport à la culture, à la société, à la propriété et à la nature, cette famille, un brin anarchiste, nous amène à réfléchir à la confrontation entre les idées et la réalité. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Can I have the grilled cheese? No. What's a milkshake? Dad, can I have a hamburger and fries? Can I have pancakes? Okay, everyone up. We're out of here. What? No, why? Because there's no actual food on this menu. Let's go. À défaut de vivre en dehors de la société, certains citoyens composent déjà avec cette réalité. Mais est-ce que cela ne participe pas à la persistance de ce système socio-économique? Passer du rêve à la réalité n'est pas toujours chose facile. Des familles et des collectifs réduits peuvent vivre de façon relativement autonome. C'est plus difficile pour un territoire, un pays, surtout dans nos sociétés ouvertes. Quel rôle peuvent donc jouer la démocratie, les utopies et les imaginaires? Et la joie dans tout ça? Pour répondre ensemble à ces questions, rendez-vous au festival Projection Transition, organisé par les Shifters, les 17, 18 et 19 novembre à Paris, Angers, Lyon et Toulouse. Pour tout savoir sur le festival, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy.